Cela ressemble à un coup de grâce. Jeudi, en déplacement dans l'Ohio, lors d'un dîner de gala au profit des démocrates, Barack Obama a dressé un portrait peu flatteur de Donald Trump. Plus tôt, c'est l'épouse du président américain qui avait pris la parole pour dénoncer le sexisme du candidat républicain empêtré dans un scandale d'agression sexuelle. Le choix entre les candidats n'a jamais été aussi flagrant. C'est le choix entre quelqu'un qui n'a jamais été aussi qualifié d'un côté. Et de l'autre, vous avez quelqu'un qui chaque jour, chaque heure et à chaque fois qu'il parle, se prouve à lui-même qu'il est inapte et disqualifié pour ce poste. En déplacement surprise à San Francisco, en Californie, Hillary Clinton jubile, mais pas trop. Sa campagne pourrait encore dérailler, même si pour l'instant, elle caracole largement en tête dans les sondages.